À l'émission cette semaine, on vous présente le tout nouveau Ford Bronco Sport 2021. Bienvenue en Rololac. Alors, cette semaine, on vous présente le nouveau Ford Bronco Sport. Donc, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a aucun rapport avec la version Bronco régulière. Donc, c'est un véhicule qui va être plus typé ville. Je t'arrête, ça reste un VUS en route dans un sens. Cependant, on n'a pas là, le même caractère over the top que le Bronco normal. Vraiment, là, ça reste plus pour la ville, comme tu l'as dit. Cependant, ici, on a la version Badlands, qui est en fait la version la plus en route de la gamme Bronco Sport. Donc, on a 4 versions en tout. Je vous les nomme. Version de base, version Big Bend, version Outer Banks et la version Badlands, celle-là qu'on a ici. Ces quatre versions qui sont quand même assez intéressantes. Ça dépend de vos besoins, bien entendu. Donc, par quoi qu'on commence avec ce véhicule-là? Bien, premièrement, c'est quoi un Bronco Sport? Non, ce n'est pas sur la même plateforme que le Bronco normal. Il est en fait sur la plateforme de l'Escape. Donc, dans les trois premières versions, on a le même moteur qui vient de base dans l'Escape. Donc, un 3 cylindres 1,5 litres turbo EcoBoost. Donc, vraiment un tout petit moteur qui produit 180 chevaux, 190 livres-pieds de couple. Quand même, ça reste pas si pire. On vous en reparlera là, au travers de l'essai. Sinon, cette version-ci, c'est la seule qui est équipée du moteur 2 litres EcoBoost. Donc, plus grosse, plus puissante. On a à peu près 250 chevaux dans ce véhicule-là. Quand même, ça tire beaucoup plus que le 3 cylindres, à mon avis. Oui, bien, ça nous a surpris là, lorsqu'on en a fait l'essai. Mais tout de suite, là, on peut remarquer là, que ce véhicule-là va aller rejoindre énormément de gens là, qui vont aller faire l'épicerie avec ça, mais qui vont vouloir aller au chalet là, et qui ne voudront pas nécessairement un Ford Escape juste par son design, parce qu'on a un design qui est très angulaire, très carré. La notion d'aérodynamisme est très faible sur ce véhicule-là. Donc, tout de suite, là, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que ça va plaire aux gens qui aiment les véhicules carrés. Un peu, moi, je suis un amateur de véhicules qui est très, très carré. Donc, tout de suite, ça va me rejoindre. Et si on commence par l'avant, tout de suite, on n'a aucun logo Ford, sauf un à l'arrière. Sinon, le reste, on a de l'écriture Bronco ou le petit cheval habituel. Donc, Bronco ici à l'avant. Et comme vous pouvez remarquer, à l'avant, on a des crochets de remorquage. Donc, avec la version Badlands, on est vraiment allé chercher tous les petits gadgets là, pour le hors-route. On a des phares Odell qui vont ramener, en fait, une ligne là, qui fait le tour de la grille, finalement, un petit peu, là, qui semble faire le tour de la grille. Donc, vraiment, là, un look qui est très, très carré, qui est très, très hors-route. Vraiment, là, pour la fin de semaine, là, on veut vraiment pouvoir s'amuser dans ce véhicule-là autant que s'en servir tous les jours. Avoir quelque chose qui look là, en fait, plus différent d'un Ford Escape normal ou de tout autre véhicule, en fait, de VUS normal, finalement. Conventionnel. Et celui-ci, lorsqu'on va le croiser, on va le reconnaître autant par sa signature lumineuse que par sa forme qui est non conventionnelle. Déjà, là, c'est bien. Donc, je crois que c'est ce qui fait l'avant, le tour de l'avant. On va maintenant se déplacer sur le côté. Alors maintenant, on se retrouve sur le côté du Ford Bronco Sport. Donc, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une forme qui va être très, 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 très carrée. Donc, un petit peu d'aérodynamisme là. Sinon, le même reste... à ça, pas tant. Là. C'est pas mal un angle de 45, cette affaire-là. Là. C'est pas full aérodynamique. Ça reste une grosse boîte, finalement. Mais c'est très beau. On a une petite forme ici là, qui va varier en haut ici. Sinon, pour la version qu'on a aujourd'hui, elle est noire, mais on peut avoir plusieurs autres couleurs. Par contre, le toit sera noir avec la version Badlands. Aujourd'hui, on ne le voit pas, là, mais c'est sûr que ça donne un aspect qui va être beaucoup, beaucoup plus esthétique lorsque le véhicule va être jaune ou rouge. Vraiment, c'est très, très beau. Ça va donner du style un petit peu, là. Aussi, on a les bas de caisse qui sont en plastique. Donc ça va nous permettre de rien briser lorsqu'on va faire un petit peu de route. Oui, on a aussi en fait beaucoup d'autres plastiques sur ce véhicule-là. Je pense notamment au miroir ici. Ensuite, les poignées de porte là, qui sont toutes en plastique. Ça donne un petit côté plus en route à ce véhicule-là, oui. Moins premium, ça c'est certain aussi. Mais comme on l'a mentionné depuis le début, ce véhicule-là n'a aucun...
sais, on se dit pas en s'achetant ce véhicule-là, je veux un véhicule haut de gamme. Là. C'est un véhicule qui va être autant utile la semaine qu'à la fin de semaine. Donc, qui a un aspect sportif avec des petits éléments de plastique, mais c'est sûr qu'on aurait aimé avoir au moins une poignée qui va être pareille. Ouais. Sinon, tout ce qui est accès en fait au véhicule, on a ici, là, lorsqu'on va passer notre main, ça va se déverrouiller. On n'aura qu'à passer notre main ici, ça va se verrouiller. Donc, très, très simple. Aussi, pour savoir la version du véhicule, on aura un badge. Donc, pour nous, c'est le Badlands. Donc, c'est comme ça. Et ça ressemble pas mal à ça. Sinon, les jantes, comme tu nous as mentionné, Raphaël... Oui, donc, chaque version du Bronco Sport a ses jantes, en fait, différentes à chaque version. Alors maintenant, on se retrouve à l'arrière du Ford Bronco Sport. Donc, tout de suite, ce qu'on peut remarquer, même chose qu'à l'avant, on n'a presque aucun logo Ford, sauf celui-ci. Oui, en fait, c'est le seul logo Ford du véhicule au complet. Il est long. Et on retrouve ici l'écriture Bronco Sport que l'on ramène, celle qu'on a prise à l'avant, on la ramène à l'arrière. Oui, en blanc, encore une fois. Et il y a plusieurs petites options là, qui sont intéressantes avec ce véhicule-là, à commencer par l'option là, qui manque. En tout cas, pour moi, là, et qu'on a plus maintenant, c'est l'option d'ouvrir la petite fenêtre là, du coffre. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui, en fait, je crois la même chose que toi. Ça manque ça sur beaucoup de VUS. Vraiment, là, c'est le fun de juste pouvoir tirer du stock par la vitre sans avoir à ouvrir le gros coffre au complet. Je pense que ça devrait être là à plus d'endroits. Oui. Sinon, on a l'ouverture conventionnelle qui n'est pas automatique. Donc, effectivement. Encore une fois, on le rappelle, c'est aucunement destiné en fait pour être un véhicule haut de gamme. Donc, on est allé dans ce qui est le plus simple possible. Donc, pour ce qui est en fait cargo dans ce véhicule-là, on a 920 litres derrière la deuxième rangée. Donc, ça reste quand même là, très, très gros pour le gabarit de ce véhicule-là. Vraiment, moi, je suis quand même très, très surpris de ça. Sinon, si on baisse la deuxième rangée, on a 1845 litres. Ça reste encore une fois très, très grand, très, très gros. Aussi, chose à mentionner, le dos des sièges est en plastique. Donc, lorsqu'on couche la deuxième rangée, en fait, on reste avec un fond qui est plat et qui est très, très solide. On ne peut pas salir le tissu. Donc, ça, c'est très avantageux là, d'avoir aucune surface, en fait, à salir. Donc, et c'est super facile à nettoyer, ce plastique-là. Oui. Exact. Même chose ici, on n'a pas besoin de tapis parce que, en fait, c'est fait en plastique. Donc, pas besoin de rajouter du tapis par-dessus. Il n'y en a pas partout. Fait que c'est super. Et niveau de la capacité de remorquage de ce véhicule-là, ça va dépendre, en fait, de la motorisation choisie. Ouais. Si on prend le 3 cylindres... 1000 livres à peu près, c'est pas beaucoup, ça tire pas tant que ça. En fait, on ne tirera pas avec ça, point. Celui-là, on a presque 2000 livres de remorquage. On peut transporter des vélos, chaloupes, kayaks, un petit bateau. Pas de problème avec ça. Sinon, autre chose, on n'a pas de crochet de remorquage derrière, ce que j'aurais aimé avoir. Ce qu'on a, par exemple, sur son plus proche compétiteur, selon moi, le Jeep Cherokee Trailhawk. Si on fait du route avec ça, ça serait le fun de pouvoir se sortir par derrière aussi. Sinon, un truc que j'ai oublié de vous montrer dans le coffre ici, on a des petites lumières là, qui sont cachées comme ça, ici, en haut du qui sont orientables. Oui, qu'on peut bouger comme on veut. Et avec un bouton, on est capable de... En fait, qui est ici à l'intérieur, on peut allumer ces lumières-là. Et de nuit, ça éclaire beaucoup. Donc vraiment, là, si on fait du camping, ça serait très, très agréable. Oui, aussi, et en parlant de camping, là, parce qu'avec ce véhicule-là, on a plus de 100 accessoires disponibles chez Ford, dont une tente, quoi que ce soit qu'on peut... Oui, une table dans le coffre. Il y a plein de trucs qu'on peut avoir vraiment avec ce véhicule-là. C'est super bien fait. Qui peut nous permettre là, d'aller un petit peu partout avec ce véhicule-là. Donc, c'est très, 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 très pratique d'avoir autant d'options avec cette voiture-là. Oui. Sinon, un petit dernier détail niaiseux qu'on aurait aimé vous montrer. Il y a deux sorties d'échappement sur ce véhicule-là. Ils font un drôle de son. Vincent, est-ce que tu peux aller nous le montrer, s'il vous plaît? Je dis que c'est un drôle de son, mais ça sonne vraiment comme un char de course, c'est drôle. Donc, avec le petit pop, le son du turbo, ça fait un son de véhicule quand même performant et ça me fait rire. Donc, voici ce qui conclut le tour du véhicule. Maintenant, on est rendu à l'intérieur. Pour ce qui est maintenant de l'intérieur du Ford Bronco Sport 2021, on a beaucoup de plastique à l'intérieur. Première chose qu'on remarque vraiment, là, tout est en plastique. Donc, autant les garnitures de porte que le volant, les boutons pour les sièges, tous les boutons, on sent vraiment, tout est en plastique dans ce véhicule-là.
C'est une mauvaise chose pour, en fait, pour le luxe, finalement, là, pour le feeling haut de gamme de ce véhicule-là, il n'y en a pas. Cependant, oui, c'est plus durable. Oui, c'est plus facile à nettoyer parce que c'est un véhicule, je le rappelle, de fin de semaine qui va se faire beaucoup salir. Donc, c'est le compromis entre les deux, finalement, qu'il faut faire. Donc, sinon, là, pour ce qui en est vraiment des commodités intérieures de ce véhicule-là, on a là ici beaucoup de boutons physiques. On va vous en reparler, en fait, beaucoup plus dans l'essai routier. Mais vraiment, là, on a des boutons qui sont physiques à la grandeur et ça, j'apprécie beaucoup. Aussi, petit écran au top. 8 pouces qui, est, en fait, qui fonctionne très bien. Ça lag un petit peu des fois, on l'a remarqué. Cependant, c'est un système fort comme les autres, ça fonctionne très bien. Facile de se retrouver au travers de l'écran. Sinon, devant moi, j'ai deux gauges normales, finalement, pour le compte et pour la vitesse, avec, en fait, un écran en couleur au centre, quand même assez gros, qui montre plein de choses. Là. Par exemple, l'économie d'essence. En fait, il y a aussi là, plusieurs animations qui jouent, par exemple, quand je change de mode de conduite. Parlant de mode de conduite, ils sont ici au centre. J'ai une roulette qui se nomme Goat Modes. Donc, Goat, non, ça ne veut pas dire chèvre. Ça veut dire Goes Over Any Type of Terrain. Donc, ça s'en va partout, finalement. C'est ce que ça signifie. Il y a plusieurs modes de conduite, là, dont sable, roche, glissant, sport, éco, tout ça. Tous les modes de conduite qu'on retrouve normal, plus quelques-uns vraiment dédiés au hors-route. Ça fait, en fait... quand on tombe dans différents modes, des fois, le véhicule va décider en fait, de barrer le différentiel arrière, d'enlever le traction control, par exemple, de lui-même, tout dépendant du mode de conduite qu'on choisit. Parce que oui, on ne l'a pas mentionné dans notre tour extérieur, mais ce véhicule-là a un 4x4 à prise constante, ainsi qu'un différentiel arrière bloquant à double embrayage. Donc, vraiment, là, on a beaucoup de trucs pour faire de hors-route dans ce véhicule-là. Donc, ce que ça fait, la version Badlands de plus, c'est des modes qu'on a, en fait, dans les autres versions du Bronco Sport, finalement. Cependant, on n'a pas les quatre boutons autour, c'est-à-dire là pour barrer, justement, le 4x4. Ensuite, barrer le différentiel arrière, enlever le traction control ici complètement, ainsi que la contrôle de descente en pente glissante, là. Donc, pour descendre lentement dans une pente sans, en fait, un genre de cruise control hors-piste, finalement. Donc, à l'intérieur, vraiment, on a aussi beaucoup de rangements. Autant dans les portes, on a des petits filets ici, en fait, de l'autre côté. Beaucoup de rangements pour les téléphones aussi. Moi et Vincent, on a réussi à mettre tous les deux nos téléphones là-dedans, pas de problème. Un en haut ici, en dessous de l'écran, en fait, qui est une très belle place pour mettre le téléphone, selon moi. Et un autre ici qui permet de recharger le téléphone plus bas avec d'autres prises USB ainsi que sans fil. Sinon, là, c'est ce qui fait pas mal le tour de l'avant parce que j'ai beaucoup de place et c'est un véhicule là, qui est très, très le fun à être à l'intérieur malgré le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de plastique. Je le répète encore une fois. Vincent, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, je suis présentement à l'arrière. Donc, tout de suite, ce que vous avez probablement remarqué, la première chose, c'est mes jambes sont à côté dans le siège. Ça, c'est la position que Raphaël est assis à l'avant. Donc, moi, j'ai pris la même position, mais à l'arrière. Donc, j'ai les genoux à côté dans le siège. Sinon, le reste, on a quand même assez beaucoup de place là, pour ce qui se situe à la tête. L'assise est bien. Par contre, est courte un petit peu, je trouve. Sinon, on a de la place quand même très bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plastique comme à l'avant. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. On a une prise de 110 qui va se situer ici au pied. Donc, un petit peu de tout ça. On a de la place dans les portières pour les gobelets et toutes ces choses-là. On a aussi un appui-bras là, qui va se situer ici. Donc, très simple, qui va nous permettre seulement de mettre les verres, avoir un petit appui-bras parce que c'est pas très grand. Et aussi à mentionner, en dessous des sièges, on a quand même beaucoup de place pour du rangement. Donc ça, c'est très bien. On a aussi du rangement là, avec ici où on peut mettre par exemple un iPad ou quoi que ce soit. Donc pour ça, c'est très bien. Je crois que ça conclut l'arrière. Maintenant, on est rendu à l'essai routier.
Alors, maintenant à bord du Ford Bronco Sport 2021. Donc, tout de suite, ce qu'on peut remarquer en s'assoyant dans ce véhicule-là, on a vraiment l'impression d'avoir un gros véhicule qui est quelque chose de massif en fait, mais qui est tout petit à l'extérieur. Et ça, ça s'explique en fait par le capot. Tout de suite, là, quand on regarde à l'avant, on a un capot qui était extrêmement large lorsqu'on le regarde. On a un véhicule qui est très, très carré. La notion d'aérodynamisme là, est pas très, très présente, disons. Ça reste une boîte à pain, finalement. Donc, oui. Et le fait que l'aérodynamisme ne soit pas très là et le gros capot, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de gros, mais qui est tout petit, finalement. Oui, donc ça se traduit finalement par une tenue de route là, qui est quand même très bonne. Donc, avec un petit VUS, là, ça reste quand même maniable. Une bonne puissance, on n'a pas besoin d'un gros moteur pour que ça tire quand même. Donc, pour vrai, là, c'est une impression qu'on a. Aussi, deuxième impression que j'ai eue dans ce... En fait, dans ce véhicule-là, c'est que j'ai eu l'impression qu'il était à moi. Dans le sens que la première fois que je me suis assis dans ce véhicule-là, contrairement aux autres... En fait, aux autres dizaines de véhicules qu'on a essayé, j'ai pas cherché aucun bouton. Je savais tout déjà là, où était chaque fonction. Vraiment, là, j'ai pas eu besoin de me demander « OK, comment je fais pour partir mon siège chauffeur? Comment marche le système d'infodivertissement? » Vraiment, ça a été très, très facile. Et c'est ce que j'ai très, très apprécié là, de ce véhicule-là. Bien, c'est qu'on n'a pas besoin de rien chercher et aussi, on n'a pas la grosse écran là, que, à mon sens, je déteste chez Ford et qu'on amène de plus en plus dans les modèles. Et la grosse écran là, avec la petite roulette en plastique. Ouais, là, ouais. Et dans ce véhicule-là, on ne l'offre pas. On a la petite écran de 8 pouces et on a tous les boutons physiques qui sont là, donc aucun bouton tactile, donc ça c'est un gros thumbs up chez Ford de mon côté, là, j'adore le fait qu'on n'ait aucun bouton tactile ou la grosse écran. Oui, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, sachant que c'est un véhicule qui va être utilisé en route, la fin de semaine, ça va être sale, ça va se ramasser crotté, ça va se ramasser dégueu, on va chauffer avec des gants, donc vraiment, c'est pas un véhicule dans lequel on voudrait du tactile, finalement. Non, c'est ça. La puissance est bien, on manque pas de puissance avec ce véhicule-là, c'est très bien. Sinon, si on descend en gamme, on va avoir le petit moteur là, 1.5 turbo, 3 cylindres, donc ça, il va rester à voir si on aura une fiabilité intéressante et la consommation aussi. Parce qu'avec ce véhicule-là, on a fait présentement, là, ça fait à peu près une quarantaine de kilomètres qu'on fait avec le véhicule, on a fait du 9.5 litres au 100, donc une très bonne consommation là, pour la grosseur du véhicule, en fait. Donc... Oui, j'ai hâte de voir avec le 3 cylindres, ça va être quoi la cote de fiabilité, parce que c'est un moteur qui sort quand même 180 chevaux pour 1,5 litre de cylindrée dans 3 cylindres. Donc, avec le turbo, c'est un moteur qui va vivre beaucoup de stress dans sa vie. Donc, selon moi, ça va avoir tendance à péter plus facilement. Est-ce que ça va être le cas? Je ne peux pas vous dire, mais c'est mon opinion personnelle. On le sait, la fiabilité de ce moteur EcoBoost-là est quand même bien parce qu'on le retrouve depuis quelques années dans le Ford Escape régulier, qui est son grand frère. En fait, là, on a la base de ce véhicule-là qui est sur le Bronco Sport. La seule chose qu'on n'a pas amené et qui est dommageable, à mon sens, en fait, c'est la motorisation hybride. Donc, pour moi, c'est un petit bémol. Mais est-ce que ça aurait été une version qui aurait été choisie? J'en ai aucune idée. Mais selon moi, oui, ça aurait été un bon vendeur chez Ford. C'est ce que je crois aussi. En fait, l'attrait des véhicules hybrides est de plus en plus présent. On peut le voir, par exemple, avec le Jeep Wrangler 4XE qu'on a essayé. Il y en a beaucoup qui sont vendus, j'en vois souvent. Donc, il y a un marché, je crois, pour ces petits véhicules hors route-là avec motorisation hybride. Et ça aurait été très agréable que Ford amène en fait la motorisation PHEV du Ford Escape dans le Ford Bronco Sport. Ça, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc maintenant, en termes de confort dans ce véhicule-là, qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Confort, ça dépend en quoi qu'on parle. Si on parle de la version qu'on a aujourd'hui, c'est sûr qu'on préconise leur route. Donc la suspension va être un petit peu plus raide, plus haute. Mais si on y va avec la version la plus luxueuse, là, qui va être le Outer Bank, c'est clair que ça va être le mieux en termes de confort. Moi, je trouve que la suspension est beaucoup sauteuse. Un petit peu là, comme le F-150, là, on a vraiment un sentiment là, que... C'est vrai qu'on a un petit feeling de pick-up des fois quand on prend trop de boss. Là. Cependant, c'est pas si pire que ça. Ça reste un véhicule qui est très confortable. J'aurais pas de problème à me promener en ville avec ça. Donc, vraiment, aucun problème. J'aimerais toucher aussi à un petit truc que j'ai
mentionné pendant mon tour de l'intérieur du véhicule, en fait, c'est le nombre de plastique qu'il y a dans ce véhicule-là. On voit que c'est un véhicule vraiment pour la fin de semaine, pour la route. Donc là, qui est très, très... c'est ça. Bon. Ça parle de lui-même, là. On a du plastique tout le tour. Même notre volant, là, est en plastique. On peut avoir une version où on aura les bancs et le volant en cuir. En cuir, mais ça coûte 3 000 $ de plus encore. Là, présentement, on est d'un truck à plus de 42 000 $. J'aurais aimé ça avoir au moins un peu moins de plastique. Je sais pas par quoi est-ce qu'il aurait pu remplacer un petit peu de tissu, par exemple, ou autre chose. Mais vraiment, là, même ce qui est censé être beau est du plastique. Même ce qui est peinturé en termes de trim, c'est du plastique. C'est un petit bémol. Bon, il faut qu'on aime ça quand on achète ce véhicule-là. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement très regardant sur les matériaux. Non, ben c'est ça. Mais tu sais, si on le compare à en fait, là, son compétiteur direct, ce qui veut dire le Jeep Cherokee Trailhawk, on va avoir un côté plus finition, une plus belle finition, moins plastoc un peu que dans celui-ci. Oui, je suis d'accord. Cependant, on reste là avec une très très belle qualité de finition dans ce véhicule-là. C'est pas merdique, on s'entend. C'est pas du top qualité non plus, mais ça reste très très correct comme qualité de finition. Si on fait l'accélération, ça tire quand même beaucoup. Cependant, là, il faut aller très très haut dans les tours pour aller chercher la puissance. Donc, c'est vraiment un petit lag de turbo normal. Là. Alors, voici ce qui conclut l'émission de cette semaine. On avait à l'essai le Ford Bronco Sport 2021. Énorme merci à toutesLesMarques.ca et M. Martin Gauthier de nous avoir prêté le véhicule. Si ça vous a plu, bien entendu, on vous invite à suivre et vous abonner à tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!